Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour le signe du taureau. Donc suite au signe du bélier, donc je fais dans l'ordre, hein, ce signe du taureau, donc je vais faire les trois décans. Donc le premier décan, c'est les natifs nés du 20 avril au 30 avril en moyenne, hein, ça peut être un jour avant, après. Les deuxièmes décans sont les natifs nés donc, du 1er mai au 10 mai. Et les troisièmes décans, ceux qui sont nés du 11 mai au 21 mai. Donc c'est un horoscope solaire, hein, donc je rappelle que c'est pas, voilà, c'est très général. Ça ne remplace pas une analyse avec un thème personnalisé, donc un horoscope personnalisé avec votre propre thème natal. Donc je vais commencer. Donc pour les premiers décans, alors cette année les premiers décans taureaux, ils vont avoir l'influence, une année importante pour eux. Je dirais, parce qu'il y aura le nœud nord, qui est toujours en taureau d'ailleurs, hein, mais qui va transiter donc le premier décan, donc leur soleil, hein, normalement, une partie de l'année. Alors notamment du 1er janvier au 17 juillet, plutôt les 6 premiers mois de l'année, voire les 7 premiers mois de l'année. Alors après, en fonction de la position exacte du soleil, mais voilà, il y a quand même cette partie-là, voilà, une grande partie de l'année où vous aurez l'influence du nœud nord, événement très important pour vous, alors peut-être un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose de souvent un événement important qui peut un peu modifier, on va dire, votre vie, votre destinée, j'ai envie de dire carrément, hein. Donc faudra bien suivre ce qui va se passer, les événements en question. Alors là, c'est difficile à dire sur quel plan ça peut être. Ça peut très bien sur un plan affectif, professionnel, enfin, voir un changement de vie radical, un déménagement, un nouveau lieu de vie. Hein, ça peut être tout ça à la fois. Hein. Après, ça peut être. Non, voilà, ça peut être plein de choses. Alors en général, avec le nœud nord, c'est quand même quelque chose qui fait avancer sur le chemin de vie, comme on dit. Donc ça tire vers le haut, donc c'est plutôt positif. Mais voilà, il peut souvent arriver des choses difficiles en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme on dit, un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, tout perdre, tout quitter, alors que ce soit son travail, sa vie, voilà, pour partir sur de nouvelles bases, quelque chose qui ne nous convenait plus, voilà, une révélation, il y a quelque chose qui. Voilà. Donc là, il y a un passage très important avec le nœud nord. On sera à suivre par rapport forcément à la période de vie de chacun, aux événements de chacun. Mais retenez bien ça, les premiers décans, vous aurez quand même un passage très important là, ces 6 premiers mois, 2023. 6-7 premiers mois. Donc ensuite, vous aurez aussi, alors quelque chose de très positif aussi, le sextile de Saturne en Poisson, à partir du 7 mars 2023, hein, Saturne va rentrer en Poisson à cette date-là. Donc forcément, il va former un sextile, donc un aspect harmonique à votre Soleil. Donc là, c'est bon, encore une fois, pour vous structurer, pour vous poser. Peut-être, si c'est un nouveau départ, il peut y avoir quelque chose de constructif, quelque chose qui, voilà, qui. Et en même temps, au poisson, ça peut, comment dire, être très beau, hein, très idéal. Donc quelque chose qui vous fait rêver, voilà, ça peut être vraiment alors, soit une nouvelle relation qui peut se construire plus ou moins dans le temps. Après, il faut peut-être. Avec Saturne, il y a toujours une notion de durée, de temps. Ça peut être aussi un nouveau travail, voilà, qui vous épanouit. Alors, peut-être un peu tout ça à la fois aussi. Hein. Donc c'est quand même assez positif, hein, avec un sextile. Donc voilà, il y a quand même des bonnes choses. Alors forcément, comme je vous ai dit, vous êtes quand même dans une période voilà, de remise en question aussi. Alors peut-être que ça peut être un mal pour un bien. Ce qui peut aussi enfin, indiquer cela, c'est le carré de Pluton en Verseau. En effet, vous l'aurez du 23 mars au 11 juin, donc on va dire à peu près à la même période, hein, quand il y aura le changement, là, le fameux mois de mars, où il y aura ces changements de planétaire, hein, dans les nouveaux signes. Pluton en Verseau, forcément, il commence à faire un carré. Alors à votre soleil, donc après voilà, c'est Pluton, une planète très lente, c'est peut-être pas forcément, voilà, tous les premiers décans, mais en tout cas, vous pouvez commencer déjà à sentir, voilà, peut-être des changements importants dans votre vie qui commencent à se faire, qui se met en place petit à petit. Et là, ça peut être vraiment des grandes remises en question, des révoltes intérieures ou extérieures. Enfin, il peut y avoir quelque chose où on a besoin de vraiment de passer à autre chose, d'épurer une situation qui ne nous convient plus. Voilà, c'est Pluton, il vient nettoyer, hein, un mauvais aspect, donc il détruit pour reconstruire.
Alors, est-ce qu'il y a besoin, voilà, de comment dire, de vraiment remodeler un système de vie, un changement complet de cap de vie? C'est pas impossible avec tous ces aspects-là. Alors, le soleil touche aussi la vitalité. Alors, attention peut-être à la santé. Faut faire attention. Alors, encore une fois, je mets des guillemets, hein, ça peut être, tout dépend encore une fois de la structure de votre thème. C'est pas forcément quelque chose de négatif, mais bon, souvent les carrés Pluton, faut se méfier. Il peut y avoir des, si ça touche le soleil ou le maître d'ascendant, souvent ça peut être des aspects assez compliqués, peut-être sur le plan voilà, santé. Donc, faire très attention. Donc, faire des examens, des bilans, c'est conseillé pendant cette période, on va dire. Ça peut être aussi une révolte aussi par rapport à l'ordre établi. Il y a des choses qui conviennent plus par rapport à une hiérarchie, à une autorité. Le soleil, ça représente l'homme en général, le mari, le père, etc. Donc il y a peut-être des choses là qui a besoin de malheureusement s'arrêter ou se changer dans peut-être un sens assez difficile pour passer à autre chose. Donc après, il faut voir, hein, ça peut toucher tous ces domaines-là aussi. Donc période peut-être un peu délicate, donc à voir hein, pendant cette période de mars et juin. Alors après, ça pourra revenir avant, forcément l'année prochaine, mais on n'y est pas encore, parce que Pluton, il est très loin à bouger, il va revenir en 2024, forcément, en Verseau. Ensuite, alors, vous aurez la conjonction à Jupiter en Taureau du 17 mai au 5 juillet. Alors, et il va revenir donc en aspect le 17 novembre au 31 décembre, donc fin d'année. Donc une première partie de l'année, donc on va dire au beau jour, hein, juste avant l'été, hein, mi-printemps, début d'été, là il y a quelque chose qui va vous épanouir, vous allez vous sentir optimiste, positif, pousser des ailes, vous aurez des opportunités. Vous serez comblé. Alors, en taureau, souvent par rapport à la sécurité, ça peut être par rapport à des biens matériels, financiers, au niveau, comment dire, charnel aussi, on pourrait dire, hein, le tactile, la sensualité, tout ce qui est physique. Donc, ça peut vraiment vous sentir vraiment bien. Là, il y a des choses qui vous comblent. Et ça revient en fin d'année, donc peut-être des choses qui se mettent en place petit à petit, le temps que voilà de bien se poser. Hein, le taureau aime bien, est un signe qui aime bien prendre son temps et se poser, et de ressentir et bien apprécier son confort, les choses et s'enraciner dans certains domaines en général, hein, bien sûr. Donc peut-être que voilà, toute cette année, avec ce passage de Jupiter conjoint à votre soleil, là ça va vraiment vous apporter des gratifications. Donc, profitez-en, parce que ça peut être des nouvelles opportunités, ça peut être sur le plan affectif ou professionnel aussi, pourquoi pas, hein. Spéculatif, ça peut être avec les enfants, votre créativité, etc. Donc vraiment une très bonne période. Voilà, donc ensuite, bah, il y a des aspects à Mars, quand même, hein, on les souligne. Donc, alors, il y aura un premier sextile donc à Mars en Cancer. Donc du 26 mars au 14 avril. Donc là, c'est plutôt positif pour l'action, pour agir, en fonction de ce que vous avez envie de faire, hein, bien sûr. Donc vraiment une bonne énergie pour mettre en avant votre volonté, imposer vos idées, déclarer votre flamme, par exemple, ou voilà, vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage pour agir. Enfin, vous êtes vraiment, on va dire, dans une sensibilité plutôt, je voulais dire, pardon. Vous agissez avec beaucoup de sensibilité. Donc, ça, c'est assez positif. Alors, ça peut être pour des questions aussi familiales, pourquoi pas, en cancer. Voilà, donc il y a beaucoup d'énergie positive là pendant cette période. En revanche, il y aura un carré à Mars en Lion, donc du 21 mai au 7 juin. Donc, attention là, en revanche, un risque d'agressivité, de conflit. On peut peut-être justement là imposer trop ses idées et ça peut ne pas plaire, ou alors on nous impose trop ses idées, ce qui fait que ça nous plaît pas. Hein, ça peut être sur l'un sur l'autre, les deux. Hein. Pourquoi pas? Donc là, ça peut créer des rivalités, hein, des signes fixes comme ça qui sont assez têtus, on va dire, qui ne dérogent pas la règle. Voilà. Le lion qui est un peu intransigeant, le taureau qui est assez têtu, donc c'est vrai que c'est pas facile pour trouver une bonne entente.
Après, donc, il y aura un trigone à Mars en Vierge du 11 juillet au 27 juillet. Donc là, en revanche, bonne énergie à nouveau pour l'action, pour mettre en place voilà, votre énergie combative, surtout dans un point de vue, on va dire, pratique et organisationnel. Donc voilà, c'est bien pour établir des choses, projeter des choses, programmer certaines choses. Alors ça tombe par exemple pendant l'été, ça peut être bien pour les vacances par exemple. Mais après, ça peut être très bien d'un point de vue autre, hein, affectif. Tout ça peut être lié aussi, bien sûr. Ensuite, il y aura un quinconce à Mars en Balance du 28 août au 12 septembre. Donc là, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Donc légèrement, hein, c'est pas comme un carré, c'est entre les deux, donc c'est une petite difficulté à surmonter, donc peut-être des petites mésententes dans les relations, on n'est pas forcément d'accord dans ce qu'on fait, donc là il peut y avoir ouais, des petits coups, des petits rixes, des petits désaccords. Alors ça peut un peu agacer, énerver, mais c'est pas méchant. En plus en balance, donc ça reste normalement pas trop violent. En revanche, après, il y a l'opposition de votre Soleil à Mars en Scorpion du 13 octobre au 27 octobre. Donc là, en revanche, c'est un peu plus conflictuel. Donc là, attention plutôt à l'agressivité, encore une fois, de pas comment dire, vous disputer trop violemment, de rester trop sur vos positions, hein, parce que là, ça peut arriver à blesser. Hein. En Scorpion, on peut dire des choses ou faire des choses qui nous plaisent pas ou qu'on peut regretter, donc voilà, ne pas être trop vindicatif, trop voire méchant, donc c'est bien de mettre un peu d'eau dans son vin à ce moment-là, alors que ce soit soi-même ou même le partenaire, hein. Mais voilà, il peut y avoir un risque de conflit avec, alors soit le pari, ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec un collaborateur ou autre. Ensuite, il y a un quinconce à Mars en Sagittaire du 25 novembre au 8 décembre. Donc là, encore une fois, ça donne une petite dichotomie dans l'action réalisée pour des idéaux, ça peut être pour des voyages, puis il y a des mésententes, puis il y avoir des petites difficultés pour mettre en place certaines choses par rapport à voilà, tout ça. Peut-être on agit avec trop de confiance et on n'a pas trop mesuré voilà, certaines choses, ce qui fait que ça peut un peu nous irriter. Mais c'est pas méchant, encore une fois. Enfin, on a les aspects aux lunes noires. Donc, on a le Soleil carré à la Lune noire en Lion du 9 janvier au 8 avril. Donc là, attention, parce que ça peut créer en ce début d'année alors une zone d'ombre par rapport à, alors, à quelque chose qui nous tient à cœur, hein, en Lion. Donc là, la Lune noire va transiter en Lion. Ça risque de vous faire comme un vide intérieur. Il peut y avoir vraiment un manque, une dette karmique, comme on dit, donc un problème à régler. Souvent, c'est en rapport soit avec l'amour, l'ego, ça peut être par rapport à notre créativité, ça peut être par rapport avec des enfants, ça peut être par rapport alors après, ça dépend aussi dans quelle maison ça peut tomber, hein. Par exemple, si ça tombe à l'ascendant, il faudra peut-être faire attention à la santé, par exemple, prendre soin de soi, le physique, etc. Si ça tombe en maison 2, bah par exemple, ça pourrait être les finances. Donc faire attention à pas dilapider ses finances. Il peut y avoir là, des dettes à payer, par exemple, ou des choses à, voilà, à combler. Maison 3, il peut y avoir un problème au niveau des déplacements, des échanges avec des voisins, par exemple. Il peut y avoir des conflits de voisinage. Ça peut être des problèmes avec des cousins, des proches, voilà, en maison 4, bah, ça va être par rapport à la famille, au lieu d'habitat, il peut y avoir des problèmes là pour à régler par rapport à ça. Donc voilà, tout est vraiment en fonction aussi de vos maisons, hein, pour ça que c'est important de faire votre thème en plus en précision, votre thème personnalisé. Et enfin, vous aurez le trigone à la Lune noire en Vierge du 5 octobre au 2 janvier 2024. Alors, je suis allé jusqu'au 2 janvier, parce que en fait, j'aurais pu mettre jusqu'à la fin de l'année, mais ça va jusqu'au 2 janvier, donc, prochain, 2024. Donc là, c'est plutôt positif pour. En revanche, ça peut combler un manque. Donc, avec un bon aspect de la Lune noire, on peut sublimer. Donc, on peut sublimer un manque par diverses actions. Par rapport à notre organisation, par rapport à des choses pratiques à mettre en place. Donc voilà, après, encore une fois, c'est bien d'en savoir un peu mieux dans quelle maison ça peut tomber, parce que là, ça reste trop général, on va dire. Mais voilà, on peut se dire déjà que cette fin d'année peut nous permettre de se régénérer, entre guillemets, et de voir un peu plus clair.
Donc ensuite, j'ai parlé du deuxième décan. Donc, alors vous aurez en revanche la conjonction d'Uranus en taureau toute l'année. Donc vous êtes soumis à de fortes, comment dire, de forts changements un peu soudains. Peut y avoir vraiment une volonté d'indépendance là, qui est assez marquée. Alors vous pouvez être tenté de bouger un peu de votre confort, de votre zone de confort, d'être un peu, voilà, un peu bousculé dans vos habitudes, ce qui ne vous plaît pas trop en général. Mais après, tout dépend des aspects. Si c'est plutôt bien vécu, vous vivez plutôt bien, donc vous avez besoin de vivre plus de liberté, d'indépendance pendant cette période-là, donc toute l'année. En revanche, si c'est une conjonction qui est plutôt mal inspectée dans votre thème, vous risquez d'être un peu plus rebelle et un peu plus en réaction et voilà, avoir un peu un côté un peu pas anarchique, mais un peu excentrique. Donc voilà, après, il faut voir encore une fois votre thème hein, en détail. Vous pouvez être un peu avoir un conflit avec l'autorité, vous vouloir vous démarquer. Aller sur de nouveaux sentiers, sortir des sentiers battus, comme on dit. Donc ça dure toute l'année. Vous pouvez déjà sentir cette tension qui est déjà encore présente, hein, déjà actuellement, hein, parce qu'on a ce Uranus qui arrive bientôt, donc enfin qui est déjà présent dans le deuxième décan d'ailleurs. Donc c'est une continuité quelque part de 2022. En revanche, la conjonction à Jupiter en taureau du 6 juillet au 7 novembre va vous apporter donc vraiment beaucoup d'épanouissement, d'opportunités, d'intégration. On peut se sentir bien dans ses baskets, dans sa peau, plus enjoué, plus bon vivant. Jupiter en taureau, c'est très bon pour le côté propriétaire terrien, faire des acquisitions au niveau financier, matériel. Niveau comment dire immobilière, pourquoi pas hein. Après, il faut voir encore une fois par rapport à votre thème, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose de positif là pour vous. Alors attention quand même, si il y a des mauvais aspects, ça peut jouer aussi sur les excès hein. En taureau, ça peut être notamment par rapport à des excès de chair, de tout ce qui a rapport avec la table, avec le côté bon vivant, le côté très très voilà, très ça peut être charnel, ça peut être sur plein de domaines, hein, tout ce qui est c'est terrestre, hein, les plaisirs terrestres qui sont beaucoup plus décuplés à ce moment-là. Ça peut être des fortes dépenses aussi, donc relatif forcément, mais voilà, ça peut jouer là-dessus. Ensuite, il y aura le sextile de Mars directement donc en Cancer du 15 avril au 3 mai. Donc la bonne énergie, que vous pouvez agir en fonction de vos émotions, hein, surtout là dans le domaine familial par exemple, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bonne énergie là pour agir, pour mettre en place certaines choses. En revanche, attention au carré à Mars en Lion du 7 juin au 24 juin, où là vous pouvez vous sentir un peu plus agressif, irascible, voire un peu trop présomptueux ou imposant, un peu trop dominateur, ou une volonté un peu plus martienne, enfin léonienne, là on veut imposer un peu. Son autorité. Et donc, on peut avoir aussi des conflits avec l'autorité, donc avec une personnalité assez forte, hein, des personnalités assez marquées. Ensuite, il y a un bon trigone à Mars en Vierge du 27 juillet au 12 août. Alors là, en revanche, encore une fois, c'est plutôt positif, donc bonne énergie, notamment pour tout ce qui aura pas que l'analyse, tout ce qui est pour organiser les choses, tout ce qui aura pas que le quotidien, voilà, faire du ménage, du tri, tout ce qui aura pas avec voilà, la Vierge qui est positif, hein, vraiment bien pour agir avec un côté intellectuel prononcé, donc mettre ses idées pratiques en place. Hein. Donc ça, c'est assez positif. Un petit quinconce après à Mars en Balance du 12 septembre au 28 septembre. Donc là, attention, il peut y avoir des petites rigidités, des petits conflits avec ça peut être dans le couple, avec les partenaires, avec des relations. Donc on peut ne pas être trop d'accord. Donc ça peut faire aussi des légers problèmes, des légers désaccords. Mais c'est pas violent, c'est pas trop méchant. Ensuite, Soleil opposé Mars en Scorpion
du 27 octobre au 11 novembre, là, encore une fois, attention, risque de conflit, d'agressivité, ça peut piquer, ça peut être assez, voire violent dans le pire des cas. Bon, faudrait voir s'il y a Pluton qui rentre en jeu, mais en général, voilà, ça peut être plutôt des disputes qui peuvent un peu être un peu plus piquantes et un peu plus prononcées. Donc attention de ne pas tomber dans la méchanceté, la vengeance, etc. Donc à cette période-là, voilà, mettre un peu d'eau dans son vin. Ensuite, Soleil quinconce Mars en Sagittaire du 8 décembre au 23 décembre, là c'est un peu délicat pour tout ce qui est de mettre en place des actions qu'en rapport avec une trop grande confiance en soi, avec des idéaux qu'on aimerait mettre en place. On agit peut-être trop avec bienveillance, confiance, mais on est trop optimiste dans dans la réalisation de nos actions et on peut être un peu contrecarré, donc ça peut un peu nous agacer, un peu nous énerver aussi. Donc voilà, mais c'est léger, car c'est un quinconce. Et enfin, vous aurez le carré à la Lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet. Donc là, c'est comme pour le premier décan. Donc là, c'est un peu plus tard pour vous. Et attention à cette zone d'ombre, ce manque qui peut jouer sur le rôle affectif, sur votre ego, un peu un passage à vide, un peu. Ça peut être même un problème un peu intérieur, un problème d'amour-propre. Il y aura un problème pour briller, bien, ça peut jouer sur notre confiance en soi, ça peut jouer sur notre dignité, sur nos valeurs, tout ce qu'on rapporte avec hein, le soleil et le maître du lion. Donc forcément, cette lune noire en lion va mettre en valeur, va mettre en avant cet aspect qui est assez problématique, on va dire, par rapport à cet ego. Donc après, faut voir dans quelle maison ça tombe, encore une fois, hein, c'est pour affiner, on va dire, l'analyse, mais là, je pourrais pas en dire plus, malheureusement. Donc tout ce qui aura rapport avec les valeurs du cœur, les enfants, la créativité, voilà, il peut y avoir, hein, quelque chose d'important à ce moment-là. Alors ensuite, enfin, le troisième décan, donc vous aurez le sextile de Neptune en Poisson toute l'année. Alors c'était déjà un peu le cas, mais là vous l'aurez à nouveau, donc c'est vrai que c'est plutôt positif pour vous, pour vous sentir en plénitude, être dans un espèce d'idéal, de vous sentir un peu dans votre élément, comme on dit, hein, Neptune, et en plus il est chez lui en Poisson, donc il peut y avoir vraiment de l'osmose, de l'intuition aussi, on peut se sentir beaucoup plus intérieurement en phase avec soi-même. Donc il y a une possibilité de développer, par exemple, ça peut être des dons, de l'intuition, ça peut être favorable à tout ce qui est rapport avec les énergies. Élever son taux vibratoire, tout ce qui est aussi rapport avec la méditation, enfin diverses méthodes qui permettent de faire un travail sur soi. Donc ça c'est bien pour améliorer ces domaines-là. Ça peut être tout simplement utile pour avoir des bonnes relations aussi, se sentir un peu sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, notamment en rapport avec soit le père, soit une figure d'autorité. Alors bien sûr c'est général, hein, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des conflits aussi avec d'autres aspects, bien sûr, notamment le carré de Pluton qui est toujours effectif en Capricorne, justement, donc du 1er janvier au 22 mars, car là ce carré va plutôt vous comment dire, terminer un passage qui a pu être assez pénible pour vous, on va dire, ces dernières années. Hein, ces 2, 3 dernières années, vous avez pu vous sentir même un peu plus, hein, avec des remises en question, peut-être un mode de vie qui ne vous convenait plus, ou des changements très importants dans tel ou tel domaine. Alors après, c'est pareil, j'ai pas les maisons qui vous concernent, donc je peux pas en rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, il y a pu y avoir des remises en question, sans doute plus ou moins fortes à ce moment-là, et ça va se terminer donc là jusqu'à avant que Pluton va transiter le Verseau à partir du 23 mars. Alors, il peut y avoir à nouveau peut-être des choses à peaufiner, à terminer encore l'année prochaine, parce que forcément Pluton va revenir encore d'année prochaine, cette année, l'année prochaine en Capricorne. Donc, peut-être vous allez ressentir encore un besoin de nettoyer certaines choses. Ouais, les remises en question ne sont pas encore terminées. Donc voilà, il y a quand même une période encore assez délicate cette année par rapport à ça. En même temps, vous n'avez pas trop de chance non plus, qu'il y a le carré de Saturne en Verseau qui va arriver, enfin qui va se terminer, pardon. Alors surtout le pareil, hein, du 1er janvier au 6 mars. Donc c'est surtout plutôt les 3 premiers mois de l'année qui peuvent poser plutôt problème, on va dire. Après, ça se dégage un peu.
C'est vrai que rajouter un carré de Pluton avec un carré de Saturne, ça n'aide pas trop. Donc plutôt des frustrations, des blocages, des choses assez difficiles, peut-être des deuils dans le pire des cas, voilà, des fins de relation même, pourquoi pas, ou voilà, il peut y avoir des problèmes qui nous bloquent et qui a besoin d'être réglés, donc forcément un passage à vide, hein, ça peut jouer sur la santé, la relation avec des figures d'autorité, le père, un mari, que sais-je, donc voilà, pour une femme. Donc à voir, hein, selon votre thème bien sûr, et des aspects, parce que ça peut être assez plus ou moins amorti et pas forcément si fort que ça, hein. Ensuite, vous aurez la conjonction d'Uranus du 29 mai au 10 décembre. Donc là, vous pouvez, comme les deuxièmes décans, vous sentir un peu plus électrique, un peu plus indépendant, un besoin d'un peu de changer, de bouger, de sortir des sentiers battus, comme on dit, voilà, d'être un peu original, un peu excentrique, vivre un peu, sortir un peu de votre zone de confort, comme on dit, hein, et peut-être vivre l'instant présent, comme on dit, vivre des choses un peu au jour le jour et vous sentir beaucoup plus libre, indépendante, quoi. Ensuite, vous aurez le sextile à Mars, donc en Cancer, du 3 mai au 20 mai. Donc là, l'énergie, bonne énergie pour agir, pour mettre vos initiatives en place, pour démarrer par exemple des projets. Alors après, ça dépend. Là, sans Cancer, ça peut être des bonnes énergies, au point de vue émotionnel. Alors ça peut jouer sur le domaine familial, le domaine du foyer, mais pas que. En revanche, vous aurez le carré à Mars en Lion du 24 juin au 10 juillet. Donc là, attention encore une fois d'être pas trop agressif, irascible, tyrannique, voire il peut y avoir un côté assez dispendieux où on veut un peu trop imposer peut-être ses idées. On agit un peu trop avec trop de confiance en soi, de comment dire, de domination. On est un peu trop léonien, on est un peu trop dominateur, trop imposant. Donc peut-être se ménager un peu, parce que ça peut créer voilà, des dissensions, même avec une figure d'autorité. Ensuite, le Soleil sera trigone à Mars en Vierge du 12 août au 27 août, là, donc c'est plutôt positif à ce moment-là pour mettre en place certaines idées pratiques, tout ce qu'on rapporte avec, alors soit c'est l'énergie de la Vierge, donc ça peut être pour préparer la rentrée par exemple, hein, fin août, là. On peut commencer à peaufiner certaines choses, voilà, organiser des choses. Tout ce qui a rapport avec le quotidien, le travail, là, ça peut être plutôt positif. Après, il faut voir, après, encore une fois, dans quelle maison ça peut tomber chez vous. Le Soleil quinconce Mars en Balance, ensuite, du 28 septembre au 12 octobre, peut créer des petites mésententes relationnelles. Alors, ça peut être aussi par rapport à la justice, par exemple, mais pas que. Ou pas forcément, hein, c'est général forcément, donc mais on va dire souvent d'un point de vue relationnel de couple, ça peut jouer sur les relations, donc là on peut être un peu en désaccord et être un peu irritable, donc mais c'est pas méchant. Par contre, le Soleil opposé Mars en Scorpion du 11 novembre au 24 novembre, là lui il risque en revanche de vous mettre un peu plus de tension, hein, être un peu plus agressif, voire piquant, un peu voire un peu violent, enfin méchant peut-être. Il peut y avoir un côté un peu blessant avec le scorpion, ou être blessé, on peut subir des attaques aussi du camp adverse, hein, forcément, c'est pas que soi-même, hein, mais faire attention à cette période-là, on peut réagir beaucoup plus instinctivement, on va dire. Ensuite, il y aura le Soleil quinconce à Mars en Sagittaire du 23 décembre au 31 décembre. Donc là, l'action est beaucoup plus empruntée d'idéal, voilà, de confiance, de bienveillance. Ça peut être bien pour le sport aussi, mais là, on peut avoir un peu des difficultés à concilier cette volonté, ce besoin de faire certaines choses, et on ne peut pas toujours agir comme on voudrait. Alors, ça peut un peu agacer, un peu énerver, mais c'est relatif. Et enfin, vous avez le sextile à Lune noire en Cancer du 1er janvier au 8 janvier. Donc là, c'est juste sur la première semaine de janvier, hein. Donc là, c'est bien pour peut-être se retrouver en famille. Il peut y avoir des choses du passé où on se remémore. C'est le moment
on va dire, de la guette des rois. Ça peut être ça, ça peut être. Bon, voilà, c'est très passager, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, c'est peut-être une période qui vous comble, hein, qui crée peut-être combler un manque par rapport à une certaine nostalgie, par exemple, ça peut être bien, hein, pour reparler des choses du passé. Par contre, après, carré la lune noire en Lion du 8 avril au 7 juillet, en revanche, là, c'est un peu plus compliqué, une zone d'ombre, un manque. Au niveau de l'ego, au niveau de l'amour, au niveau de tout ce qui nous tient à cœur, donc tout ce qui est en rapport avec notre image aussi, nos valeurs. Donc, encore une fois, il faut voir dans quelle maison ça peut tomber. Il peut y avoir des problèmes. Alors, si c'est par exemple la maison 7, ça peut être des rapports avec le couple qui risque d'être dans une période un peu compliquée où on est dans une période de manque, là, une période de dévalorisation. On ne se sent pas aimé. Alors, si c'est en maison 10, ça peut être par rapport au travail. Si ça tombe dans votre maison 11, c'est par rapport aux amis. Ça tombe dans. Voilà, il faut voir après dans quelle maison ça tombe. Parce que là, c'est très, très psychologique. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails au niveau concret, hein, par rapport aux maisons. Donc, voilà. Mais en tout cas, bon, bah, c'est en demi-teinte. Hein, pour vous, troisième décan, ce n'est pas forcément très évident hein, cette année. Mais voilà. Il y a quand même des choses qui soutiennent, hein, notamment le sextile a encore l'aptitude en poisson, donc faites jouer votre intuition. Donc voilà, j'ai terminé pour l'horoscope du taureau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Pour ceux qui découvrent la vidéo, bah, c'est important de vous abonner, donc vous pouvez aussi me consulter. Vous avez le lien en descriptif à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Et vous pouvez aussi aller directement à votre décan avec les minutes. Hein, j'ai détaillé, j'ai divisé par les trois décans. Donc vous pouvez aller directement soit au premier, deuxième ou troisième décan. Donc vous avez juste à regarder sous la vidéo ou si vous l'avez sur la télé, vous voyez directement la bande qui passe avec les minutes. Voilà. Donc j'ai terminé. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe des Gémeaux. Au revoir.